J'ai annoncé ça depuis hier matin. Ils ont rencontré privé fait entre le premier ministre Gary et le conseil présidentiel de transition. Rencontre hier là que nous pouvons gagner date pour lui, mais nous avons prévoir. C'était quand même une rencontre décisive, non seulement pour M. Kony et son équipe, mais aussi pour les conseillers présidents. Parce que ça t'a fait pratiquement 2 semaines depuis qu'il y a eu des pourparlers qui étaient initiés entre deux groupes SAIO autour de la formation du nouveau cabinet ministériel, du nouveau gouvernement. C'est une rencontre qui déroulait dans le local villa d'accueil là, qui trouvait dans Carrefour Musso, l'entrée Delma 60, pour les gens qui connaissent la région métropolitaine très bien, là a quitté Boudon pour monter Pétionville, donc là arrivé dans Carrefour 60 là, bien Carrefour pour rentrer dans Delma 60 et Delma 48, côté qui gagne gros toll rouge, qui sont place qui devant villa d'accueil là, et vous franchir dans l'entrée à gauche là pour accéder à l'espace là. C'est là la rencontre là qui déroulé. C'était quand même dernier coup de tiwel pour être capable de finir. Ça a commencé depuis la semaine dernière. Yo. C'était quand même le dernier coup de mato où tu es fin rentré clou à net. Et voilà pourquoi nous autres nous parlons de rencontres décisives. Rencontre-là, tu prévois dérouler à 2h de l'après-midi. Ça, blanc français, tu as carrélé 14h la guerrier. Et monsieur, dame, conseiller président, yo, et by premier ministre Gary Kony, le 2h là, ça est important pour nous souligner, monsieur Kony présent exactement à 2h. Pas 2h01, pas 2h moins, 2h pile, il y a Dieu seul. Nous toujours dit ça, dans l'espace ça, nous prenons plaisir. Bail à César, ce qui est à César. Nous joignons plusieurs témoignages dans ce sens-là en faveur de M. Gary Kony comme monde qui respecte le. Ce n'est pas monde qui a venu on rencontre à 3h. Et puis, au même moment, je suis attendu depuis 2h30, 2h45, et puis le 5h, attendu toujours. Parce que le chef ici, très comme ça. Pourtant, il est toujours pressé dans la rue. Au baron, ça va le régler. Là, au bon rendez-vous, on va considérer des rendez-vous. Décider eux-mêmes, mais à qui le, où ils viennent. Et nous autres, comme journalistes, reporters, guerriers, nous sommes victimes, ça en pile. Ou quand on a une invitation officielle là, que le primature, que le palais national, ou bien n'importe l'autre institution, ils disent on activité à 3h, ou même comme journaliste, ou make sure que ou là depuis avant 3h, pour capable à un jour, ou jouer dans un bon espace, ou tester matériel, ou etc., pour être contrôle l'espace là, c'est garder ou garder les 4h. Activité de prévoir à 3h, elle n'a pas commencé, les 5h,
ou la pire aide. Des fois qu'on même pensé que l'activité va faire encore. Et moi connais de qui ça m'a parlé là parce que moi j'étais accrédité dans Palais National sous Jovenel Moïse, moi dès qu'on a couvert activité dans ROA résidence officielle Premier ministre là, notamment sous Jacques Lafontaine, Séan et très récemment sous administration Jude Joseph là. Donc nous pensons qu'il était important pour nous mettre un petit accent particulier sur ça, c'est que M. Kony présent à 2 heures dans l'espace là. Il y a monde qui t'a dit c'est dans résidence officielle là, l'été. Résidence officielle là ensemble avec villa d'accueil là a vraiment gagné trois gros espace qui sépare. Si bien que bon source que me fait confiance qui rapporte dans ensemble rencontre que connait gagné avec conseiller président dans villa d'accueil là, il y a au moins yon li traverser sorti dans ROA pour aller dans villa d'accueil là à pied. Donc pour monde qui attendait là à l'étranger qui pas forcément connaît ça n'a pas expliqué là, villa d'accueil là pas trop loin résidence officielle là. Même si le soir l'on a passé là ou pas senti son espace pouvoir ou bien son zone pouvoir ou bien son bloc pouvoir, tellement zone là fait noir, tellement rien blackout, tellement on sent son peur ou courir passer là sur quitter 8 heures du soir pour là. Pourtant dans de l'autre pays l'on paraît non espace yo c'est président qui habite là, c'est ministre là, c'est un chef qui là depuis sous décor zone là ouais ça. Ça c'est ton parenthèse pour le village d'accueil et la résidence officielle du Premier ministre, presque tout près, il y en a face l'autre. Pas bon conseil passer là le soir au-delà de 6 heures. Franchement, nous capables déçus et nous devons poser cette question. Est-ce qu'effectivement, c'est côté primature avec, entre parenthèses, Palais National lui-même, y a abrité. Donc, on a déroulé à partir de 2 heures comme prévu, derrière. Discussion vraiment intense, en pile échange, il y a en pile énergie, en pile détermination entre l'équipe de Kony et les conseillers résidents, non présentés, non soutenus, des stratégies, des éléments, il y en a essayé de convaincre l'autre autour de qui est-ce qui doit être, qui est-ce qui pas doit là, qui est-ce qui t'est mérité là, qui est-ce qui pas mérité là. Jusqu'à ce que aux environs de 4h25 et plus, Kony vienne prendre pause dans la rencontre là et puis le jambé dans la résidence officielle là. Je ne sais dit tout à l'heure, c'est pas vraiment deux espaces qui trop loin yon l'autre passer ça. Si Kony pas jambé à pied, c'est lui qui pas vle. Comme qu'on va pas fin trop beau, est-ce que c'est médicament le dal prend? Nous va connait comme yo di nou Premier ministre nan a trois jouer avec ti manger li va konn si c'est pas on ba li dal passer dans bouche là et nèg doit faire parler en pile nous va connait mais ça certain guerrier à partir de l'heure ça soit après plus de 2 heures de discussion une pause s'imposait et puis gars connait avec équipe li traverser dans ouais et puis après ça yo retourner près d'une trentaine de minutes. Et aux environs de 4h53, il retournait pour rebalancer l'encontre. Discussion faite, etc. Parole parlée, bien écouté, on est obligé de couper, bien écouté, il est obligé de dire non, monsieur, et nous obligé d'avancer dans tel sens, bien écouté, conseiller président obligé de faire des concessions, bien écouté, tout conseiller président très ferme, etc. Jusqu'à ce qu'aux environs de 6h, 55, je crois, yo vin entendre yo autour de ensemble personnalité qui doit faire partie du nouveau cabinet ministériel. Et nan même rencontre ça pour ne pas dire au terme de cette même rencontre guerrier, on était souhaité. Et pas même souhaité, mais t'as quand même mal et puis fort pour me dire exiger
que arrêté a été préparé, été rédigé et pourquoi pas même signé avant même l'été déplacé avec l'équipe lui. Parce qu'on pas jamais connait le arrivé dans ROA là et qui était monsieur CPTO entre eux et puis concerté autant de à l'OPM n'a pas retardé ce processus là ou l'autre proposition. Donc monsieur Tétien à ce que après rencontre là ou bien tout de suite après rencontre là ou yoté entendu sous j'ai rédigé arrêté à signature arrêté à et préparé le voyer le côté où voyer à des fins de publication. Hier matin nous t'a font exercice avec auditoire là avec internautio pour t'aider expliquer au moment nous t'a parlé à qui jamais cabinet ministériel là t'a publié arrêté qui même monde qui constitué cabinet connil là t'a publié dans moment bien de dire mais qui est t'a ministre mais nous t'est très prudent l'en te dit que puisque bon dernière rencontre qui t'a pral déroulé entre l'équipe de connil et les conseillers présidents donc ça ne te dit pas ou les dans du béton. Donc, tu as une possibilité pour te changer, pour te évoluer à n'importe quel moment. Et de fait, il y a des évolutions. Par exemple, il y a des noms qui étaient en pole position qui pas là. Il y a des noms qui sont maintenus. Il y a des ministères, il y a des discussions qui étaient faites sur eux. Nous avons annoncé ça, pardon, pour jumelage entre ministère de l'Environnement et ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, nous te dit rien pour co-acter. Et de fait, dans la rencontre, il y a eu un temps pour séparer deux ministères. C'est entre autres, bah, nous te prévoit qui quand même fait. Matin, sans nous pas gagner prétention que nous prenons une présentation exhaustive de chaque graine. Personnalité, sauf changement de dernière heure ou bien revirement de dernière heure qui t'a fait partie du nouveau cabinet ministériel là, mais nous pourrons faire le maximum de nous-mêmes, puisque à partir de l'échange que nous avons hier soir, à partir du travail que nous avons réalisé hier soir, de très tard, avec des mondes, avec des archives, pour nous garder est-ce que nous sommes capables de jouer des informations sur des monde jodia qui sous route pour venir ministre ou bien qui a deux droits pour venir ministre et même là encore guerrier n'a très prudent ça qu'arrivé avant même publication arrêté à bon bah qui décider nous songe ça fait déjà bus ministre pour aller monter pour descendre au niveau de parlement laisse ça dégain parlement c'est une pas tromper c'est sous administration Martelia avant bus la déraper pendant bus la stade guerrier on est guidé ministre. Avant le bus la dérabé, il fait M. Dessin nous remplacer par l'autre, il n'est pas ministre encore. On va pas monter, etc. Il y a l'autre bar qui opérait comme changement. Donc, ça qui arrive, tout autant arrêté à pour qu'on publie, même nous avons nous dit à guerrier du seul, capable de bon changement de dernière heure sur eux. Capable de bon dernier bagarre, vous avez nous retirer un tel. Ou bien tout nous remplacer un tel par un tel. Donc, son façon pour nous expliquer, ça ne pral dire là, jusqu'à minute émission a déroulé là c'est you mais émission a doit fini et puis nous avons un nom gon deux noms yo retiré ou changé mais celle garantie nous gaba nous si a gè changement a gè gros changement passé ça parce que il y a des engagements qui prend autour de monde qui t'a doué constituer cabinet connu là on essaie regarder qui ça cabinet a puisque nous t'ai expliqué nous cet exercice ça nous pourrons le faire matin en introduction journal là pour le bagage c'est que Jean Connel chef gouvernement premier ministre transition a relé Gary Oni nous présenter déjà dans espace ça son médecin lycée au monde qui a 58 ans lycée ancien premier ministre sous administration Martelia, lycée aux fonctionnaires des Nations Unies, il travaille au UNICEF
dernier moment là, notamment en Amérique latine, en région caribéenne, etc. Deuxième, on a présenté où si un ingé dans cabinet pour ni l'un guerrier, c'est moun qui occupait portefeuille ministériel ou bien portefeuille ministère de l'économie et des finances que vous mettez ensemble avec planification et coopération externe guerrier. C'est j'en ai dit déjà hier, j'en ai déjà prévu ça. C'est madame Kathleen Florestal. Si recherche que nous fait dans ti parler gain avec de monde ou bagaille yo dit nous que madame nan son économiste qui gagnait plus de ou bien près de 30 ans de carrière. C'est monde qui te travaille dans ministère économie et finance pendant temps comme cadre. C'est monde qui travaille dans des institutions internationales, que ce soit FMI, Banque mondiale ou autre. Et c'est monde tout guerrier qui conseillère dans conseil exécutif sous l'obé direction exécutive institution internationale sous cité là, son monde qui ont très bon CV d'après ça nous disposer comme information. Il y a Dieu seul. C'est monde qui était dans banque centrale dans zone 97 pour arriver début 2000, il travaille dans ministère économie et finance pendant début 2000 jusqu'à 2004 si ne pas tromper, il y a Dieu seul. C'est monde tout qui était étudiant en Haïti, qui étudie aux États-Unis d'Amérique etc. dans des universités américaines. Et moun sa n'a parlé la guerrier qui c'est madame Kathleen Florestal guerrier du seul son moun qui quand même presque fait unanimité ni nan mitan acteur pendant processus choix mais également nan niveau international là et son moun yo présenté comme un moun qui gagne couloir c'est-à-dire gagne moun si bien que yo di gagne de poste. Madame est occupée. Je m'excuse. Madame n'a occupé. Et des fois, il y a même intéressé à changer, mais c'est garder, il y a des appels qui ont fait qui disent attention, hein, à moi et madame ça. Donc, en plus, ce sont des gens qui gagnent compétences, ce sont des gens qui gagnent expérience dans le domaine, nan, mais c'est des gens qui ont un bon carnet d'adresse, tout, que ce soit en Haïti, que ce soit à l'étranger. Et c'est madame ça, guerrier du seul, que yo choisi ou bien yo gagné un choix arrêté qui fait autour de lui comme monde qui pral ministre économie, finance avec planification en dans pays d'Haïti. Maintenant, est-ce que c'est un choix de Gary Conille? Est-ce que c'est un secteur qui filait Gary Conille? Est-ce que c'est imposé? Yo imposé Gary Conille? Ça, on ne le sait pas. Peut-être les prochains jours diront le reste, mais pour le moins, c'est ça qui a retenu sur madame Florestal. Et si nous ne pas tromper, c'est madame Éric Pierre tout. Vous songez Éric Pierre que René Préval a essayé de proposer à plusieurs reprises comme premier ministre. Pas passé au niveau du Parlement. Il n'a pas songé de le. Ouais, c'est Souvival ou c'est Madeli. Vous voyez, Michel Bab. Je soit. Non, n'a pas de Michel. Pour non, qui m'a l'écho. Parce que vous voyez, vous voyez, qui mon cul qui a ajouté non, etc. Et non, c'était plusieurs fois comme Premier ministre. Comme Premier ministre. Donc, nous, ouais, c'est madame Ney, si ne pas tromper. Troisième. Personnalité en dans cabinet Onila, c'est monsieur Carlos Hercule. Carlos Hercule non ça pas nouveau du tout dans paysage politique la guerrier. Non ça li pas OK. Non ça
par le retirer formation. Ah, merci Assad Volsi. Assad Dim, il était en couple, mais c'est pas madame ni. Ah, ok. Il était vivre ensemble, mais c'est pas madame ni. On va avancer. Au moins nous joindre qui ont des relations. Ouais. Merci Assad Volsi, comme Assad Bigan. Ok. Deuxième monde, bon, troisième monde, après Gary Conille, madame Kathleen Florestal, et puis, on va aller au ministère de la Justice et de la Sécurité publique. On a parlé de M. Carlos Hercule, nous allons expliquer ça, c'est pas un nom qui est nouveau, donc c'est certain, si on dit et Carlos Hercule, on m'a dit plus de 20 ans dans le pays, la preuve de qui ça va parler, de qui est-ce va parler. Pardon, Carlos Hercule, c'est avocat de profession, c'est avocat au barreau de Port-au-Prince, c'est ancien bâtonnier, l'ordre avocat au Port-au-Prince. Si je ne me trompe pas, c'était zone 2011-2013. Il est ancien conseiller électoral. Donc, il a joué le rôle de vice-président. C'est dans l'intervalle 2016-2020. Pendant ça, guerrier. Il était conseiller électoral. Et il dit nous, c'est avocat qu'on est. Et selon information gagnée, le juste dimanche, il était indexé qu'on est dans le dossier CN2A. Donc, c'est Carlos Hercule qui était quand même à mener bataille judiciaire là pour te permettre que le mandat qui était décerné contre M. Konila était annulé, etc. Et à un certain moment, dans la liste de monde qui était pressenti ou bien qui pensé que c'était Kavin, chef cabinet M. Konila, Carlos Hercule est cité. Même si après, il y a Agabus qui cité, après, il y a Camille Edouard Junior qui cité, il y a Jean-Max Belzin qui, Bazin, Jean-Max Bazin qui cité, jusqu'à ce que, jusqu'à minute, n'a pas parlé là, en attendant arrêter pour confirmer là, soit arrêté sous Madeleine Fizeme, guerrier. Information qui arrive à joindre nous, guerrier, Carlos Hercule, c'est choix Garigoli. D'ailleurs, il y a trois noms pour ministère justice et sécurité publique. Il y a Massillon, il y a Chandlin, nous allons vérifier tout à l'heure, vérifier mon guerrier du seul, et il y a dans trois noms qui étaient ressentis pour ministère justice et sécurité publique, il y a également Carlos Hercule. Information qui veut joindre nos guerriers, si c'était pour conseiller président ou si c'était pour conseiller présidentiel, là, Carlos Hercule va être ministre et justice. C'est à Massillon là bien. Parce que un groupe dans le conseil là, après responsabilité pour me dire que c'est compromis historique qui fait coalition avec Eddy Red là, qui ont même sous une forme ou sous une autre, de supporter choix Massillon quoi quoi. Donc je me dis Massillon quoi quoi. Parfois nous non. Donc dans la liste, nous allons jouer M. Conille. Donc Massillon est là-dedans. Mais comme il y a un vetting qui fait sous candidat ou bien sous monde qui était pressenti pour venir ministre guerrier, et vetting n'a fait pas seulement en Haïti. Bon, c'est le ministère clé guerrier. Ministère qui vraiment dépend de l'État. L'État doit être plein pouvoir sous eux. Ça n'est pas le ministère régalien. Il y a un vetting qui fait sous eux tout à l'échelle internationale. Et on dit non, Massillon tombé pas parce que conseiller président yo pas de vle. Yo dit non, Massillon tombé pas parce que li pas gagné compétence ou bien pas gagné bon CV. Mais Massillon tombé parce que yo reproché notamment à l'échelle internationale que le connivence avec un ancien parlementaire qui sanctionné par l'international notamment les États-Unis d'Amérique. Premier élément d'information que je vais nous dire, c'est ça. Il dit, mais il y en a premier bagage qui jeté Massillon. Mais si c'est pour papier, si c'était pour support conseiller président, Massillon quand même était en pole position pour devenir ministre justice et sécurité publique. Martine Chevalier, Michadeline, mes amis, m'a changé de nom, madame Martine Chevalier, de Massillon.
Luc Carlos Sarkel. Oui, c'est Martine Chevalier. Non, c'est trois noms. Oui. Martine Chevalier. Noé Pierre Massillon. Noé Pierre Massillon. Voilà. Martine Chevalier et Carlos Sarkel. Carlos Sarkel. Donc, les Massillon viennent tomber. Ils disent nous, Gary Koni, supplier Negio. Ils disent ça, c'est choix pas les vlèles. Il était presque mettait très humble, très sage, on va dire tout petit. Vous dites Negio, bal ça. C'est-à-dire, Carlos Sarkel, c'est choix Gary Koni. Gary Koni, nous expliquer ça déjà. La Paul te gagné dès le début, même avant sa désignation comme Premier ministre, même avant sa nomination comme Premier ministre transition. Et c'est M. Carlos Sarkel, maître Carlos Sarkel, avocat, ancien bâtonnier, ancien conseiller électoral, ancien vice-président CEP, avocat connu, et second choix connu, il était fait, il était quoi, il a défendu dans la réunion, c'était lui. Et de fait, c'est M. Sarkel qui, jusqu'à minute, n'a pas parlé là, nouveau ministre de justice et sécurité publique, pays d'Haïti. Est-ce qu'on copie jusqu'ici, Gary? On progresse. Quatrième personnalité, qui en dedans cabinet au Nilan jusqu'à minute n'a parlé là une brale rallé là c'est moun qui te doué ministre intérieur à collectivité territoriale jusqu'à hier matin nous t'ai évoqué non ancien ministre ou bien actuel comme le gouvernement démissionnaire là Éducation nationale là, Monsieur Nesmi Maniga. Vous songez M. Abdi Guerrier, c'est une personnalité ou bien un nom qui te surprend moins. Elle devine joint moins. On te espérait que si Abdon Mounia reconduit, il ca Nesmi Maniga à la tête du MNFP. On bat jamais imaginer Monsieur Maniga. Dans le côté où tu proposes là, c'est le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Eh bien, hier matin, même Nesmi Maniga a pensé qu'il était capable, ministre de l'Intérieur, eh bien, réunion faite dans l'après-midi du lundi 10 juin 2024, là, il décidait tout le contraire. Et ça, moi, prends responsabilité pour me dire, il y a un bon parti. Dans le secteur qui forme le conseil présidentiel la guerre. Il y a un bon parti dans le conseiller président pour ne pas dire tout qui presque fait serment pour dire ton écrasé. Pas question que un ancien ministre Ariel Henry dans le gouvernement. Il y a presque fait serment. Presque tout. Je dis pas question où un ancien ministre Ariel dans le gouvernement. Si bien que nous gagnons information de bonne source qui fait quoi que à un certain moment Gary Koni t'es fait back ou bien t'es voulu faire back avec Nesmi mais il t'a pas demandé s'il pas t'a demandé au même ou aucun ben Nesmi Maniga à la tête du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle ne serait-ce que pendant les 6 prochains mois parce que c'est lui-même qui va gagner pour organiser les examens d'État, les examens officiels. Et il dit non, négatif. Et pourtant, il dit non, M. Maniga, tu as intention, s'il va elle-même, le conseiller, il va me sensibiliser, il va me en fait. Mais on nous, dit non, qui proche les pardon, dit non, tu as intention à gagner. Donc, il dit pas question. Bon ancien ministre Ariel qui vini dans le gouvernement ça donc du coup il s'est tombé on y a là un bon moment il a cherché un ministre intérieur pour joindre dans l'immédiat surtout dans l'équipe là reconnu là bral bon petite anecdote gen nèg nan équipe koni là qui intéressé à job là gen nèg nan équipe koni là qui t'a remé
filon non. Mais vous proposez, pas proposer, vous présentez Koni comme un nèg qui gen parole, le respect de la parole donnée, qui gagne un caractère fort. Dans le sens que s'il vient décider, on va avoir, s'il ouais, ou voulez faire l'autre bagaille, il y a un droit commencer à dire tête, il faut le bruit d'avant. Parce que y a des nègres qui, dans l'équipe Koni, soit dans le cabinet, ou bien que envisagez mettre dans une série de postes stratégiques, soit dans la privation, ou bien dans le Koni, tout carrément, qui quand même est convoité. Mais nèg yo just relax. Yo même aller plus loin. C'est information. Ou dit que et m'bral gagne pour me retourner sur ça m'bral bay là. Le petit Dessalines parce qu'il était bruit dans la rue là. Si gagne deux ministères que te gagne connait qui moun k'ap mete men sou yo, c'est des ministères des Affaires étrangères et des cultes, et le ministère de l'Intérieur et des Collectivités territoriales. Yo même dit pour ministère intérieur il y a une tentative, s'il va être fait même, ou bon nom, proche petite Dessalines qui défile. Et puis, il fait bac, vous comprenez? Jusqu'à ce que lui-même décide de quimber le ministère de l'Intérieur. Est-ce que son stratégie, est-ce que il y a un temps où il y a un peu de temps, il y quand même le sac qui a gagné comme discussion hier après-midi? Ou bien est-ce que tout le monde a une formule de Moïse, tout le monde connaît? Et on doit dire moi ouais la papa dès qu'il a crasé comme ça. Vous comprenez? Ça sont plaisanterie. A dit attention, tu ne vas gérer moi papa. Allez là attendez. La ria chaud. Attendez au cap tête en bas. Bref, ça c'est moi qui ai ajouté. Mais jusqu'à ce que qu'on ait décidé la kembe ministère de l'Intérieur etc. Ministère des Affaires étrangères et des cultes. On croit qu'il est jumelé avec le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Affaires étrangères. Jusqu'à hier matin, c'était ambassadeur Paul Altidor. Il est ministre des Affaires étrangères. Et moi, je parle avec deux personnes qui sont très bien placés dans l'équipe Koni. Koni en particulier, les mêmes. Je crois que c'est Altidor qui pour ministre des Affaires étrangères. Mais, nèg yo nan conseil là, te geta clair, yo ban Altidor. Dimanche soir, on parle avec au moins deux conseillers présidents. Les m'ont expliqué que le ministre des Affaires étrangères, il déjà clair, c'est pour Altidor qui est ministre des Affaires étrangères. Yon nan yo ki ri, il dit détromper mon frère, pas gagné que dit, mais qui qu'on dit pour le ministère des Affaires étrangères. Et de fait, choix pral fait hier après-midi, on montre que le conseiller en question a une raison. Peut-être que moi-même, je pas trouvé loin. Qu'est-ce que ça qui décide véritablement? Avant qu'il te dit, c'est Dominique Dupuis. Qui lui-même, jusqu'à minute n'a pas parlé là, occupé portefeuille, ou bien a occupé portefeuille, ministère des Affaires étrangères là. Dominique Dupuis, encore une fois, non, ça n'est pas étrange pour nous. C'est diplomate, ou bien c'est ambassadrice, c'est une gardienne comme ça, puisqu'elle s'est déléguée permanente auprès de l'UNESCO. En France, Paris, depuis novembre 2020, si je ne me trompe pas, il a occupé fonction ça. Il était nommé en juillet 2020. C'est une jeune femme de 33 ans, si je ne me trompe pas, qui étudie au Canada et en Angleterre. Elle fait des études en développement international. Et c'est le même groupe aidé ensemble avec Red Compromis historique qui choisi après Ghislaine mon premier était fini tombé. Vous songez ça? Et qui t'après qui te conseille par la suite, elle quand même te consorti honorable. Et c'est un monde guerrier du seul ou t'es capable de dire qui jouit
de on très bonne presse en dans cabinet ça. Tout à l'heure, m'a parlé de madame Etienne Floristal. Si y a deux monde, les gagnent vetting qui fait, les gagnent des questions posées pour demander s'il y a objection. Moun presque levé deux mains deux pieds vous dit validé. C'est deux mondes à et c'est deux femmes. Ça qui est intéressant. Vous prenez bien dans le cabinet, ça. Si il y a deux mondes comme si dans le vêtement, il n'y a pas aucune réserve sur vous. C'est deux mondes à vous. C'est la ministre de l'économie et des finances, Mme Catherine Floristal, et la ministre des Affaires étrangères et des cultes. Vous avez expliqué que Mme Dupuis, qui est même, selon l'information qui est disponible, marié, il y a un petit de 5 ans, etc. Et madame n'a quand même construit une réputation comme monde qui n'a jamais raté l'occasion pour le défendre Haïti dans la position liée. Nous songeons bien sûr avec apport Ricardson Dorsey et comment bataille pour te faire de Soubjoumou. Et ça, il y a un élément ou bien une place ouvrée, une bague qui est dans la cuisine noire, hein, pour te mettre sous liste patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Nous rappelons une bataille qui était menée tout pour te mettre Catherine Flon comme monde qui a un impact sur l'humanité. Et récemment, là, je ne comment ça a été fini, il était soumettre candidature Kassav après ce jour moi nous va connaître comment ça te donc si madame Zaha qui ministre affaires étrangères et des cultes jusqu'à minute n'a pas parlé là et on tire remarque tout petit avant de faire considération politique sur madame nan sur choix madame nan on tire remarque tout petit guerrier sous garder tout côté média parler de madame nan comme ministre affaires étrangères tout côté yo parler de choix madame nan pour intégrer le cabinet au Nila. Si vous avez 10 commentaires, au moins 9,5 qui en faveur, madame. Madame Dupuis. Et malgré les gens qui ont essayé de rallier avec l'équipe Claude là, mais ils reconnaissent que son belle tête. Pour jeunesse, li, pour Fougli, pour Jean Defon Haïti, pour fluidité dans le langage. Li. Etc. Donc, vous estimez, c'est vraiment la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Même Jean-Aga Rigoni, je pense que c'est un homme aujourd'hui, soit à tester l'opinion, ou à jouer qu'il y a une cote de popularité qui est très intéressante. Nous parlons, est-ce que les Walgains pour agir, les Walgains pour poser action, sont capables d'inverser d'un deux. Mais pour l'instant, c'est ça lié. Guerrier Dieu seul. Oui. Maintenant, dans le choix, nous apprenons que stratégiquement, et ça m'a responsabilité pour me dire, le gars doit décider de dire le contraire eux-mêmes. Stratégiquement, ils ont dit qu'ils ont filé. Non, Madame Dupuis, Dominique Dupuis. Ou à jouer de Gary Gouni parce que dans trois noms, Gary t'es volé ou bien t'es doué. Proposé pour chaque ministère, il y a un pile secteur qui te soumet li de non tout. Et nous sommes de parler de ça ici. Les équipes connues, yo même fait premier travail là, l'ancien, ils rendent compte que si elle mettait Paul Altidor et Dominique Dupuis sous table, c'est plus facile pour Dominique Dupuis lui-même de passer que Altidor. Alors nous ne pouvons pas rentrer dans des matchs comparatifs, nous allons dire qui est qui est plus compétent parce que l'autre, non, c'est pas ça nous parler. Nous parler de peut-être notre considération au café, à pointance, vous comprenez, et passer mon yo, c'est une question de non seulement papier ou expérience, mais il y a cherché virginité à tout. C'est pas dans ce sens. Oui, oui. On va dire, les gens qui sont impliqués dans l'obéir, ça me dit là, les gens qui sont déblousés, qui parlent de l'université dans mauvaise affaire, il y a ça tout. L'a servi de bonne image tout pour le cabinet. Eh bien, il dit que je file non. Mais, au prime abord, M. Kony n'a pas même entendu avec Dupuis sous table. Mais,
y a des gens au niveau du CP, notamment équipe, aider Red Compromis, et même d'exiger fort Madame Dupila. Et de fait, sans surprise, l'Altidor est obligé de tomber au profit de Madame Dupuy. Et même international, la guerre, ils sont choix stratégique, oui. Moi, je vous dis ça. Nous sommes dans le ministère intérieur, là. Nous sommes dit depuis au début, si il y a deux ministères, tout le monde a dit qu'il pourrait aller dans tel secteur, c'est le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères. Un, le ministère intérieur a dit ses affaires Petite Dessalines, ses affaires Maurice Jean-Charles. Deux, il a dit le ministère des Affaires étrangères, ses affaires Claude Joseph, ses affaires ID. Si bien que, ça encore mon peu responsabilité d'il, tout le monde a une idée de qui est-ce qui est capable, ministre des Affaires étrangères, tellement, bah là, tu as assemblé un dossier classé. Je t'ai parlé dont certains professeurs, Louis Jean-Marie, pas songer tout le monde. Comme monde qui est très proche de Claude, qui t'a doué ou qui t'a doué occuper pour te faire là. Mais les gars, ils ont venu, ils ont dit, bon, ensemble de ministères là, pas de question pour des gens en deux partis politiques qui ont fait mes mises sur eux, donc c'est PAM, et peut-être international là, Alena, Aris, à tout. Et probablement, il y a un petit problème technique. Il y a avec le ministère ça par rapport avec les dossiers. OK? Qui concernait gestion, passé, etc., était quand même vlé bon yeux, plus ou moins particulier, sous ministère. Qui vient de faire, non, deuxième temps, aider avec compromis historique, avec Red Pat intéressé, avec les affaires étrangères, il était opté pour le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Il est ça, Smith Augustin, comme représentant aider Red Compromis en deux conseils là, et compter sous support Gérald Gilles de l'accord du 21 décembre et Vertilaire Emmanuel de Petite Dessalines pour te cabal vote et les mêmes te cal chachon l'autre dehors, etc. Dans la logique bloc majoritaire indissoluble là, de permettre que au moins et de gagner ministère éducation nationale à défaut du ministère des Affaires étrangères et des cultes. Donc on commence à dépasser votre la fête à la grande surprise. Et des prends coup. Si nous avons dit comme ça, nous langage qui est plus ou moins courant. Maurice Jean-Charles, ensemble avec Gilles, ils ont baillé Claude en coup. Donc ils ont voté dans le sens qui supprime l'équipe aidée, Red Compromis. Et ces politiques qui ont fait, probablement, ils ont avoir des raisons, mais ça ne veut pas dire diviser pour ça. Mais ça, c'est certain, et des prends coup dans ça. Nous songez, c'est dans forcer et d'être après s'il était capable de rappuyer pour joindre le ministère de la Défense. Et avec discussion hier là, dis-nous que non ça qui a joué un gars reconnu et qui permet que le fait choix de Madame Dupuya, son proposition stratégique de l'équipe Red et des compromis. Mais ça nous doit mettre comme bémol. Madame Dupuy pas pral en tête baissée, ça me clair sur ça. L'aime dit en tête baissée, c'est certain, il pas pral en marionnette dans le sens que soit le groupe ou bien le secteur qui t'a soutenu là, pensez au pral décider mener le genre ouvré. Après ça, presque, t'as fouillé même dans du feu. Il n'est pas prêt comme si on esclave ou dit, on monde qui dans le secteur, ça va nous parler là, pour être capable de dire le temps de nous, obligé de dire, obligé de date. Parce que, madame, vu Jean Blanc, Jean International, il a quand même été des limites, des lignes rouges à ne pas franchir. Qui vient faire qui ça? Il est capable de certaines victoires. Ou l'équipe de aider Red Compromis, parce que sous son GBC, il y a été proposé déjà dans le conseil là. Et deuxièmement, tout, il paraît comme on, même le, ou qu'a critiqué le secteur proposé là, mais vu bonne presse, les jouit, vu et jeunesse, vu qualité, vu compétence, ou pas qu'il y ait de considération, il vient plus facile pour le passer. Il avait dit, ou qu'a toujours eu des problèmes à Claude, ça me l'a dit en d'autres termes. On dit, c'est à Claude Compromis. Et puis et Red qui propose. Ou qu'a toujours un problème avec Mounzaio. Mon pas qu'il y a un problème avec personnalité. Ya. Ok? Donc on y a, il reste à savoir, est-ce que Madame Nabral surprend nous? Ou bien tout le pral toujours retenir dans ligne image que la vente dès le départ. Ça, c'est
les prochains jours qui prennent dire ça. Et nous te dit dans question vetting, c'est un monde qui passe vetting là au les mains. Est-ce que la prêté en tête baissée nous pas quoi? Et c'est un monde tout en dedans cabinet ça qui pas gain réserve joué. Ça veut dire blanc dit lagué. Ministère de la Santé publique et de la population. Docteur Georges Fils Brignol. Bon, répétez-vous encore, guerrier. Docteur Georges Fils Brignol. Jusqu'à dimanche soir, que ce soit dans l'équipe Koning, là, que ce soit dans l'équipe pour CPA, il était clair que si bon monde cap tombé dans le gouvernement, ça, c'est Docteur Georges Fils Brignol. Et yon nan bagay yo te reproché docteur ya comme moun ki ta gagné petit problème technique au niveau de papier académique li. Et nous te évoqué ça hier, formation qui veut joindre nous dit monsieur ya pat et suivre processus ou bien pat franchir étape il doit franchir pour te gagné licence li ou bien papier comme médecin. C'est vrai, il y a deux proches li, il y a qui relèm, il y a qui écrim, a expliqué que dans moment l'été fin fait étude là, pas de gagner question et devoir de mémoire bien rédaction et article et certificat etc. On me demande une grande question, est-ce que monsieur gagne papier? Si oui, comment le fait gagner? Bon, malheureusement, malgré tout bruit qu'a fait, pas jamais montré papier. Et était clair sur ça que si on est médecin, si on est docteur ou gen problème papier, guerrier li paraît contingent indécent et même pas fait sens pour le vin ministre santé ou c'est lui même encore qui pral à poser signature sous papier pour certifier mon infirmière, pour certifier mon médecin, etc. Et nous te dit capable ba ça capable provoquer un paquet de frustration en dans secteur parce que gen pile médecin de carrière. Il y a pile monde qui est formé, il y a pile docteur qui a des compétences, il y a pile docteur qui a une formation solide pour occuper le poste. Et on dit, c'est Gérald Gilles qui propose. Et Gérald Gilles, comme médecin qui est dans le secteur, ne pas croire que il y a un problème de médecins qualifiés ou bien de monde qui a compétences solides vraiment s'il a fait le job là. Maintenant, pourquoi docteur Brignol et fils Georges? La raison est simple, c'est parce que c'est le protégé du conseiller président Gérald Gilles. Et l'information qui vient joindre nous fait quoi que docteur Brignol fiancé avec petit Gilles. Et Gilles te quoi, quel que soit le prix à payer, il faut que c'est monsieur qui ministre santé publique. Et nous apprenons que tu as gagné au moins deux dossiers qui t'a joindre l'équipe Koning là. Tu as un dossier Brignol là et tu as un dossier en docteur qui est docteur Datus Chantal Pierre Sauveur. Sur le papier, question expérience, selon ça, des sources dignes de foi rapportées, les gens qui étaient en pole position pour venir ministre Santé, c'est docteur Datus Dabier. Chancel, c'est Nek Stan qui travaille dans le système là, qui quand même met en prête les. Sous des institutions en dans système là et qui allait Canada qui fait des études et nous quoi qui n'a rien à dans moment n'a parlé là et madame monsieur ça qui paraît petit gens intrigant yo dit docteur ça sorti Canada pour job là même et qui est-ce qui fait le rentrer selon information nous gagné en attendant que Gilles avec l'équipe vienne démentir ça c'est docteur Gilles oui yo dit docteur Gilles gagne de très bons rapports avec docteur ya, et à madame docteur ya. Il te garantit que c'est lié. Et pas l'autre. Le docteur a vint là, probablement il a acheté Vesli, docteur a préparé ses bêtes li, docteur a gagné ouais, comment le pral ministre, etc. Et puis à la dernière minute, malgré non sous table là, et que académiquement, monsieur était plus solide pour le ministre de justice, pas justice, mon Dieu, pour le ministre de santé, malheureusement, c'est lui qui tombé. Gros amis qui font blague, gros amis, gros chef, oui, dans le moment là. Il dit, les papiers arrivés. Alors, bah, on dit c'est blague, c'est tout bon. Même pour le blague. Il dit les papiers arrivés devant l'équipe Koning. Il dit est-ce qu'il y a le conducteur d'Atus parce qu'il a regardé là. Monsieur Gonsévi qui est impressionnant.
Je dis docteur, je dis le baron Michel. Mais Gilles Delbar me fait blague. En parlant de ça, son qui a bouche douce. Gilles, c'est jeune, mais on a côtoyé longtemps, non? Mais moi, je fais expérience ça plus d'une fois. C'est là où je dois préparer le baron de Dila et puis il va être là le bon blague. Donc, par exemple, je suis moi, Gilles, dans l'hôtel Pétionville. Et puis Gilles Walvin ça lui même pour pas bien dire Gilles dit comme ça mon cher on grage j'ai mal fait on Mercedes papa qui pas pour moi toute la réalité Mercedes donc Gilles pas même temps pour me poser le question sur ça bref donc c'est ça nous ça trop petit pour Gilles dit mon cher bon mais est-ce que blague vous comprenez je dis Gilles pourtant et il y a de l'autre monde qui proche docteur en parlant de docteur Datus qui dit non Gilles pas là docteur. Et tu as un moment de garantie. Maintenant, le ministère de la Santé publique et de la Population, c'est ministère à 21 décembre ou bien c'est ministère ancien sénateur Louis Gérald Gilles? Donc, à répondre simple. En d'accord 21 décembre, certainement, tu as un plan ou tu as choisi mon niveau de président. Tu as gagné M. Pascal. Jean-Baptiste, Pascal Adrien, Joachim Jean-Baptiste, et puis ancien député Vickerson Garnier. Et dans l'autre camp, c'était Majorie Michel, André Michel, Edmond Suplice-Bosé. Et Sorel Jacet, t'es proposé tête-li, t'es campé, comme mi-tenterré, comme ou bien modérateur, même si Joachim était accusé, monsieur. Publiquement, dans l'espace là, c'est pour l'autre camp lié. Eh bien, j'ai eu choix calé, par CARICOM, choix qui pas tourné, choix qui tombé, jusqu'à ce que vienne un consensus entre eux autour de Gérald Gilles. Eh bien, dans le choix ministère là, hier matin, il faut que me dit, accord 21 décembre, il regroupe tout le monde qu'on est, puisque nous avons parlé de l'accord 21 décembre, qui c'est l'accord Ariel là? Eh bien, SDP, ensemble avec Fusion Eco, ils prennent distance. Par rapport à choix ministère de la Santé publique, que Gérald Gilles lui-même lui met en barrel. Donc, venir été Gérald Gilles avec quand Pascal Adrien, Georges Jean-Baptiste est gagné. Maintenant, une question de la poser. Est-ce que, toi, M. Sam, tu là, il y a en prison vraiment sous Gilles? Nous, vraiment, moun kap men, là, Gérald Gilles. Gérald Gilles arrive en opposition, c'est s'il voulait. Bah monsieur ça on miet la baïole. M'a parlé aux amis, hier soir aux amis a dit ça est une boutique pas Gilles. Et tu as fait privé pas Gilles, ministère de santé publique là. Et ça fait dans compréhension pam. Gilles pas d'après jamais venir mettre ton nèg là pour le penser ou très con lui ou toi intelligent parce qu'il là le filmer ton ministre pas en contrôle ou. Donc Gilles t'a toujours souhaité et m'a assumé samedi a. S'il met ton nèg là comme ministre santé, nèg là ap là physiquement, c'est lui a cap signé. Li kap fosse de bagay, administrativement, mais vraiment, le ministre, c'est Gilles Labier. Et pour moi-même, choix Gilles là, li inscrit dans des matchs. Maintenant, est-ce que Dr. Brignol te gen voulait un papier vrai ou pas? Jusqu'à preuve du contraire, nous pas connaît. Mais ça, c'est pas on l'a parlé. Nous t'a bien aimé, ouais, papier, nous t'a bien connaît. Vrai qui s'est battu dans ça parce que la firme va se satisfaire. C'est détruit, pas détruit caractère, tout parcours universitaire. Monsieur te dit, comment pour monsieur t'arriver à faire maîtrise dans le partenariat faculté avec l'Université Montréal sans pas gagner tout dossier complet? Donc c'est ça, et citoyen ça. Oui, mauvais là. C'est tout, c'est ça, monsieur t'es voué à nous comme message. Donc en façon pour dire que monsieur gagne tout document. Voilà. Vous comprenez? Bon, bref, ça c'est parole par équipe là, oui. Avec parole par l'autre équipe. Ok? Qu'on y a sauf si nous avons un document ou bien nous avons parlé avec des gens qui connaissent nos domaines dans la cadine. Mais sauf que, à un certain moment, nous avons dit que nous avons des démarches qui t'ont fait.
beaucoup de Ghana. Mais qu'on y a là, est-ce que c'est papier le pas gagné du tout, ou bien processus pour le dégager papier c'est le pas respecté. Faut nous comprendre. Parce que mon proche qui était ici par la veille hier matin, qui expliquait que processus ou bien étape qui a été franchi pour papier, t'es bah là, l'étape sortie dans l'université a pas gagné. Mais on dit son qui fait étudio qui boucle, son qui fait social, mais qui gagne là pas de franchir étape soit pour présenter devoir de mémoire, projet de mémoire, genre où il est là, ou bien pour écrire un article scientifique, etc. et qui t'a pris le doigt avec ça. Mais à un certain moment, nous avons compris qu'il y a des démarches qui t'a fait auprès du décanat. À quelle fin? Et ça qui pouvait nous montrer des bagages qui n'est pas clair. Comme nous avons tout donné, nous n'avons pas vérifié nos démarches, vous voyez, mais ça qui certain, moi je parle avec des gens au niveau de l'équipe qui dit que c'est vrai, monsieur, pas complet. Il y a qui dit vrai entre l'équipe de Gilles et celle de Soada, tu sais, n'importe l'autre, nous qui dans le poste là, nous ne connaissons pas. Mais comme journaliste, nous disons, mais qui ça, tout quand il dit. Par contre, tu comprends. Donc, de fait, jusqu'à minute, on a parlé là, c'est Dr. Brignol qui est ministre. Vous avez dit Gilles ministre par procuration. Vous comprenez? Mais moi-même, je suis clair que, il y a une raison qui fait Gilles, tu souhaitais que c'est Brignol qui est ministre, c'est juste pour le capable de bien prise de soli. Point barre. Okay. Et effectivement, le plus facile, dans tout le monde qui a cité pour ministre de justice, où Dr. Gilles contrôlait Dr. Brignol que l'autre. Et surtout, il y a de garantie l'autre pas de cabali. Probablement que Dr. Brignol, comme beau fils, à Bali. Et, si vous êtes fiancé, c'est vrai. Alors, moi, oui, docteur Samuel Lewis, ok, je me suis dit, Dr. Brignol, il a tout le papier, il était contre moi. Bon, il y a un problème. Pas un problème. Ok, on avance. On n'a pas avancé, Gary. Oui, on n'a pas avancé. On a pris du temps, mais on n'a pas avancé pour nous dire, mais qui est-ce, mon Dieu? Mais écoutez, vous aussi. Donc, ça, c'est pour le ministère de la Santé publique et de la Population. Mais, j'aime bien dire tout à l'heure, est-ce que c'est ministère à 21 décembre ou bien ministère Gilles? Moi, je crois à 200% c'est ministère Gilles. Parce que, pile mon 21 décembre, qui prend distance. Mais André Michel prend distance, lui. SDP, alors, fusion prend distance, etc. Est-ce que Pascal, Adrien, avec Georges Jean-Baptiste, avec Vickerson Gagné, avec une formule là, pour rentrer en bas, Gilles, pour jouer un petit bagaille? Sauf que m'a dit, Gilles qui te représente en désigné, c'est pas le conseil président, je dis. Son l'autre Gilles qui l'a, son chef qui l'a. Donc, c'est certain qu'il y a un bagaille, nous allons même penser capable de faire. Parce que quand il gagne, au niveau de l'accord 21 décembre, qui dit Gilles prend ça, met en babral. Je vais attendre Souel Jacinthe. Oui, mais bon. Mais bon, sous ce qui dit Souel, elle a bien passé au niveau du palais national. Bon, villa d'accueil. Villa d'accueil. Probablement Souel, j'ai le campé là. Sénateur Souel, on a un petit coup de fil, ça réglé. On avance. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, culture et communication. Mon qui ministre là-dedans, là, jusqu'à minute, n'a pas parlé là, c'est Antoine Augustin. Qui est Antoine Augustin? C'est un gros major Jean Montana. C'est sociologue. C'est professeur dans le niveau faculté de technologie, université de l'État. Et il a même dit qu'il était responsable à un certain moment du département anthroposociologie. Par contre, il m'a bien frappé, il faut là, il m'a fait glisser à Dieu. Et nous, au courant tout, c'est un gros chef. Au niveau de l'orchestre Tropicana d'Haïti. Est-ce que c'est pas le président même? Nous doutons très fort que c'est pas le président. Antoine Augustin. Ah oui. Auditeur bien dans ça. Il y a des auditeurs assez avisés, intelligents qui suivent là. Et malgré monsieur Sapé toute influence au niveau de Montana, si nous avons notre BS a sorti avant hier là, c'est pas Montana qui propose. Il dit non, monsieur ça c'est Zel 4 Fritz Alphonse Jean. Donc c'est pas ministère Montana, ministère éducation, mais c'est ministère Fritz Alphonse Jean. Où est-ce que donc, ce n'est pas ministère secteur, c'est ministère représentant secteur. Et bien, c'est lui-même qui a joué le rôle, ministre éducation dans le gouvernement, connu là. En avancé, ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural. Dans le vote qui était fait vendredi dernier, il était clair que c'est Petite Dessalines qui était sorti avec votre feuille ministérielle ça. Mais nous t'ai annoncé ça et le fait, il fait hier,
Dans un premier temps, il était question de jumeler ministère agriculture avec environnement. Mais au niveau de rencontre hier là, ils ont entendu pour séparer ministère. Ils viennent faire qui ça? Le ministère agriculture d'un côté et de l'autre côté le ministère de l'environnement. Et mon cap ministre agriculture dans le gouvernement connu là jusqu'à minute n'a parlé là, il est Vernet Joseph. Donc si c'est ministre Petite Desalines, probablement c'est Petite Desalines qui propose. Qui est Vernet Joseph? Nati information joine tout petit yo. C'est ancien secrétaire d'État au lance agricole sous gouvernement Lamotte là. Yo dit non monsieur ça a un bon rapport avec Dieu seul Simon Dira, ancien sénateur, ancien ministre environnement, ancien ministre planification. Yo dit non à un certain moment il était clair toute information que t'as véhiculé sous époque là c'est l'icté proposé le gouvernement Lamotte là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Pour d'interrogation. Nous apprenons que le te chef cabinet Dira sous privé, laisse ça nous quoi Dira te ministre environnement et dans planification soit Ariel Henry quoi dans premier gouvernement Ariel Henry, je dis nous les Dira te fait appel avec monsieur Vernet Joseph, les gars des Dira la font poser toujours. Il pas trop sous job moment ça. Mais il a présenté monsieur Vernet comme un de très bon rapport avec Dieu seul Simon Dira. Vous dites nous c'est professeur, c'est agronome, mais est-ce que les honnêtes, nous ne connaissons pas. Parce qu'il y a des projets, bah, tubercule, racine, bah, et maintenant dans le ministère, là, nous ne connaissons comment ça a été fini. Est-ce que c'est un joueur d'Ira avec Moïse Jean Salguin en commun? Nous ne connaissons. Est-ce que son joueur d'Ira prêté Moïse? Nous ne connaissons. Mais ça continue à attirer l'attention. Quelqu'un qui a quand même servi, qui avait servi au niveau du pouvoir PHTK, et je dis, et c'est les mêmes petites Desalines prend pour. On a dit son technicien. Oui. Ça arrive, nous admettre si vous venez à l'argument, si son technicien est capable de servir l'État. Oui. Ok? Oui. Et dans la logique de cohabitation, tout, bah, il y a des groupes qui sont capables de proposer. Lui. Donc c'est Vernet Joseph, ministre de l'Agriculture jusqu'à la minute, n'a pas l'air. Secrétaire d'État. Ancien secrétaire d'État. Oui, là, c'est agricole. Vous avez ajouté un bail? Non, ça va. Ok, on avance. Ministère de l'Environnement. Mon qui l'a dans là, c'est Moïse Jean-Pierre. Moïse Jean-Pierre, son cadre dans le ministère là, c'est ancien conseiller James Cadet. James Cadet, c'est lui-même qui était ministre de l'Environnement sous l'administration Ariel Henry. Il était dans le cabinet. Et il dit nous, c'est Rhin. Rhin, c'est un secteur qui est dans le conseil présidentiel là, représenté par Mme Régine Abraham. Il est même tout dans le secteur ça. Et je dis c'est rien qui proposait Moïse Jean-Pierre, pour le ministère de l'Environnement. Mais, on dit bien, on dit là, on est l'estomac nous glissé, on a toujours bien peuple latisien ça. Je dis nous, à un certain moment, rien était frustré, il était fait connaître, il était dit, il n'y a pas mal dans le gouvernement. Raison en simple, c'est parce que je dis, je te souhaité gagner portefeuille ministère agriculture. Il n'y a pas de gain, il était énervé et m'a demandé est-ce que ce n'est pas ça qui fait. Donc, ce n'est pas une raison qui fait diviser le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture pour capable faire rejoindre notre bagage, etc. Ministère des Affaires Sociales et du Travail. Mon cap ministre des Affaires Sociales dans le gouvernement Conilan, jusqu'à preuve du contraire, c'est Georges Wilbert Franck. Encore une fois, son nom qui est connu, notamment dans le milieu syndicaliste. Dans le milieu syndical, là, pardon, monsieur son syndicaliste. Dans le milieu syndical là, notamment dans la question de l'éducation dans le pays, il était coordonnateur UNOE, Union Nationale des Normaliens et Éducateurs d'Haïti. Et lycée Yon Namoun qui était toujours paraît au devant de la scène dans la structure qui était relée dans le marché pour la vie. Vous voyez la structure ça? Oui. Sous Jovenel Moïse, qui a pris des positions, qui a demandé ça pour fête, etc. N'a marché pour la vie. N'a marché pour la vie. Le GD aux gens. Et bien, c'est eux-mêmes qui gagnent un ministère d'affaires sociales. Affaires sociales. C'est Frinel Joseph, pasteur, qui représente dans le conseil résidentiel là. Ok. Il était dans le conseil électoral provisoire tout. Et bien, c'est eux qui gagnent un portefeuille là. Mais, ce qu'il faut souligner, c'est pas Léo Tévelé, non? C'est le ministère de l'Éducation nationale qui Tévelé avant. Ok. Si bien que, il y a des articles qui ont été écrits pour dire qu'il y a des syndicats, une organisation qui exigeait ou bien qui souhaitait, qui recommandait Georges Wilbert Franck comme ministre de l'Éducation.
Et bien, il n'y a pas une éducation, il y a eu le ministère des Affaires sociales, pas gagné, c'est ça lié. Et de fait, c'est Georges Wilbert Franck, syndicaliste, ancien coordonnateur UNOYE, et il y a un dirigeant qui a marché pour la vie, en la société civile là, et c'est lui-même qui pourrait diriger le ministère des Affaires sociales. Ministère des Travaux publics et des communications. Moun qui ministre là, c'est Raphaël Osti. Monsieur, ça c'est ingénieur, il a travaillé dans DINEPA, il est directeur. OREPA. Ou moun kap tande ou ki sa ki OREPA? OREPA c'est Office Régional d'Eau Potable et d'Assainissement, mais c'est OREPA Ouest. Et c'est lui-même qui pral mené bac ministère Travaux publics et des communications pour la Valas. Oui. Mais dans toute discussion que t'as fait, à aucun moment non monsieur ça pas jamais paraît. Et si gon moun même dans le conseil là, yo te koué ki t'as ministre Travaux publics pour la Valas, c'est Harry Clinton. Harry Clinton. À la dernière minute, non Raphaël Ostimote. Et on dit, nous choix ça, c'est choix Aristide Ben. Et dit, ben, on dit, nous choix, c'est choix le même. J'ai imposé Raphaël Ostimote. Okay. Ingénieur. On dit, ministère de la République, c'est ministère de la Valas. Oui. Alors c'est pour contre lui. C'est pas game sur côté contrairement à parti. Ah voilà, c'est quelque petit bagarre. On va pas élection. Hein, bon paquet. Organisme, c'est pas vrai, direction qui qui dépend de ministère ça oui. Conatel, paquet. Probablement il va mettre monde, on va me connaître. Ah, ou bien c'est ministère là bien seulement. On va mettre monde dans direction départementale. Et qu'on y a moi pour ça ti chinois te chaud devant bande pour assainissement ça. Ah, bon conseil que tu dis, monsieur, papa. Si Chinois était chaud devant, bon, je vais payer un milliard de gouttes. Eh bien, je t'ai séparé, voilà, depuis avant. Chacun qui était dans le suivant le champ de compétition, mais qui s'est appelé, mais qui secteur au blé. Je t'ai dit ça. Si Chinois était à rencontrer magistrat. Bon, alors. Côté projet, ça va dire. Oh, vous voulez implémenter le Konya? Oui, bon, Konya, il n'y a pas. Pour nettoyer, pour le presse. Oui, la bienvenue. On milliard goutte qui est envisagé. Oui. Ça passe comme ça de qui est en bas ou bien si non, on va pas. Non. Dans le Goni, quand j'ai regardé le campé là, qui est en bas? Dès que c'est comme ça, non? Il y a un chef gouvernement qui a un grand monde dans le cas là. Non, pas quoi. Eh bien, en tout cas, c'est Raphaël Osti. C'est lui-même qui a ministre Travaux publics pour la Valas. C'est ingénieur. Il a travaillé dans DINEPA. Il était responsable au REPA l'Ouest. Directeur office régional d'eau potable et d'assainissement. Ministère de la Défense, vous êtes avec nous, je ne vais pas trop de détails sur le citoyen qui est Jean-Marc Berti Antoine. Mais, je suspecte qu'on parle. Je ne sais pas si je suspecte là, mais bon, rappelez-nous. Songez bien, ministère ça, dans la vie, il a aidé pas jouer une poule. Il te dit la prend pas parce qu'il a aidé. Tu veux le ministre avait étranger clairement, je veux étant l'ité ou elle dessous de Perdil, ou le bâtiment de Perdil. L'été souhaité gagner le ministère de l'Éducation, il estime que Verti est ensemble avec Gilbert Okunando. Il n'a pas joué une vote, il n'a pas dit. Donc, il a invité à aller démettre mes mains sur la défense. À un certain moment, il prévoit que c'est une femme qui a été le ministre de la Défense. Non, Sterling Civil était cité. Non, l'autre moment, il y a un certain Louis No qui était cité tout comme ministre de la Défense. Mais il y a là un certain de Jean-Marc Berti Antoine. Bon, est-ce que ça veut dire aider toujours les aider défense nous pas connaître ou bien est-ce que tout aider sur tout fond décabès en de gouvernement nous pas connaître pour qui est ce ministère défense pour n'a chaque toujours oui, parce que non mais yo dis c'est Jean-Marc yo dis aider tout qu'est-ce qu'on parle dit non ouais m'a poser question non alors papa yo dis bon, très honnêtement pas trop de détails sur ah, OK alors ça m'apprend et mes amis qui a passé partager quelques éléments d'information avec moi dit moi monsieur c'est un ancien policier OK et il dit monsieur était agent 2 selon ça il dit monsieur était Belgique et Canada dans dernier moment ça yo et monsieur gagné un master en criminologie. Et monsieur, c'est Nek Jacmel, ancien élève Kaifrey Jacmel. Donc, c'est ça, je gagne jusqu'à présent pour nouveau ou bien prochain ministre financier, qui, selon information, c'est un aidé qui proposait, mais ça que moi-même,
vérifier. Donc, monsieur Gagnon, il y a un master en criminologie et monsieur est à vivre au Canada. Ok. Ouais. Ok. Madjo, nous auditeurs ont fait une émission avec nous matin là. Par exemple, il y a quelques monde qui ont été cités là, il y a une petite précision sur vous. Franck Wilbert Georges, mon ami qui dit que son cadre dans le ministère de l'Éducation nationale. Il était directeur direction formation et perfectionnement. Ok, c'est oui, oui. Il parle de Harry Clinton qui est l'assemblée pas fin en forme. Bon, ça m'a pas vraiment des détails sous lit. Il y a de l'autre monde qui dit oui, effectivement, Antoine Augustin, c'est président Tropicana. Il dit c'est ancien directeur enseignement secondaire, etc. Ce professeur est en faculté. Ethnologie. Il dit. Et sur ma idée d'Antoine Augustin Junot parlé, il était vice-doyen faculté ethnologie, oui. Mm-hmm. Je suppose que c'est. Ok. Mm-hmm. Ok. On avance, guerrier. Le a fait de la guerre. Faut avancer. Après, ministère de la Défense, il a mis mon retourné sous l'IS, c'est ça. Nous allons fouiller. Nous allons chercher qu'on est. Ministère du Commerce et de l'Industrie, qui est marié avec tourisme. James Monazar. Nous devons prévoir ça, bon, sans surprise. Hein? James Monazar, c'est lui-même qui est ministre commerce et industrie dans le moment où on a parlé là. Qui est James Monazar? James Monazar, c'est un monde que je connais, nos bons amis en commun qui s'est mettre Marcelin Eugène, que je profite de saluer au passage, qui a coûté le depuis Indianapolis. James Monazar, c'est étudiant dans la faculté de droit et des sciences économiques, on a parlé de. FDSE, James Monazar son cadre dans le ministère commerce et industrie. Nous croyons qu'il passait de assistant chef service qui est venu directeur général, qui était dans la commission interministérielle, si je ne me trompe pas, qui a pu gérer les questions franchies, etc. dans l'administration publique là, et je dis à qui vient ministre. Et qui est-ce qui proposait James Monazar? Hier, nous avons essayé d'expliquer ça, Gary. Nous avons essayé d'expliquer, contrairement avec. Le secteur qui ont même été clair, il dit mais qui ministère vous voulez, et que vous êtes passé au vote pour connaître si il y a baol ou pas, secteur privé à guerrier dans le conseil là, il dit mais pas dans le ministère. Cependant, pour le ministère du commerce et de l'industrie, il a dit qu'il a encouragé si gagner au consensus cap jeune autour de l'actuel directeur général là. C'est comme si James Monazar a une recommandation du secteur privé au niveau du conseil présidentiel. James Monazar n'a pas rappelé son cadre dans le ministère là. Le dernier poste en date qui était occupé, c'est directeur général. Mais même si mon petit Jean est à l'aise, comment le secteur privé a recommandé mon ministère commerce? Bon, même j'ai toujours estimé que mon petit Jean n'a pas fait sens pour pas un problème avec Zami Monazar, non? C'est pas de ça qu'on a parlé. Mdou, c'est quelqu'un que je connais, qui m'a entretenu des relations assez intéressantes avec elle. Mais cependant, je vous dis ça, secteur privé, pas qu'à dire, mais qui est-ce qui pour ministre finance? Secteur privé, pas qu'à dire, mais qui est-ce qui pour directeur douane? Secteur privé, pas qu'à tout, d'en dire, mais qui est-ce qui pour ministère commerce? Parce que Mounio voulait traiter ministère commerce en parent pauvre, mais l'administration publique là, mais son gros ministère. Oui, c'est ça, oui. La question de l'importation, la question de commerce, la business qu'a fait, la question de prix, ceci, la question de contrôle de qualité, etc. Un paquet de bagages. Le ministère de commerce joue un rôle prépondérant. Alors, ça va dire là, c'est peut-être parce que le ministère ça parle traité avec le secteur privé. Donc, en pile, il traite en pile, lui. Oui. Mais qu'on a, c'est pareil. Par exemple, il y a un médecin, il dit son médecin pareil, il est pour le ministre. Agronomie, par exemple, ils sont agronomes qui pour médecins. Donc, c'est pour capable de gagner un rapport. Même j'en ai un sénateur, le député, et puis il voulait qu'il faut un ministre dans le gouvernement. Pendant que c'est lui-même qui pourrait payer sous lui encore. C'est ça, oui. C'est même pas là. Dans le Parlement, on a besoin de. C'est le cabinet de ministre qui peut le faire. Il peut le payer sous lui encore. Donc, c'est secteur privé, c'est même genre. Donc, commerce avec finance, par exemple, il y a traité plus facile, plus souvent. Plus souvent. Donc, même j'en dois tout. Mais quand on est sur le contrôle et tout, on imagine que vous avez contrôlé le ministre là. Un bon matin, vous avez décidé de rentrer un paquet de produits expirés là, vous avez dans le market. Vous avez le ministre, pas besoin de vous voir, inspecteur, regardez. Alors, pour un volet, qui sont des détails parmi
toute l'autre attribution ministère gain. Vous comprenez? Et puis on décide de faire mes yeux sur quelque bagaille. Là, vous comprenez? En tout cas, on avance guerrier. Et oui, oui. Avoir plus rapide. Nous avons dit que James fait économie avec droit. Il était intégré au ministère des Affaires sociales. Après ça, il est transféré dans le commerce comme assistant directeur juridique. Et puis il devient DG. Oui, c'est vrai. Parce que son monde me connaît, c'est vrai. C'est vrai. On avance. Très rapidement. Après le ministère du commerce, c'est le ministère de la jeunesse, des sports et de l'action civique. C'est Niola Linsara Devalis Octavius. Dame, ça me cherche le tout côté sur les réseaux, non? Yes. Mais premier élément information, il fait quoi que son cadre dans le ministère? Jeunesse et sport. Jacques Osodino, là, il était directrice PAC Thomasin. Thomasin. Mais il y a un petit flou sur qui secteur qui proposait Mme Octavius. Dans un premier temps, information que tu viens de me faire, tu fais quoi que c'est observatoire de la jeunesse. Vu que c'est un groupe qui était pour te connaître, mais l'aimer les si monsieur qui a dirigé l'observatoire, yo, pas la veille hier soir, il dit non, c'est pas yo. Il dit c'est pas yo, même si bon l'autre monde dit que Madame Octavius a gagné de bons rapports avec ancien ministre Jimmy Albert. Okay. Jimmy Albert est ministre, ça? Oui, c'est ministre. Hein? Est-ce que Jimmy Albert t'as des choix, ça nous pas confirmé, nous pas confirmé non plus. Cependant, nous connaissons debout de Jimmy Albert ou rien. Bah interfoi, à l'église. Ok. Ouais, rien. Est-ce que ça t'a voulu dire du coup que c'est rien qui t'a fait deux cabesses dans gouvernement? Donc nous pas courir dire ça. Parce que nous pas trop de détails. Mais nous la Linsara Devalis Octavius, ça nous connaît. Son monde qui travaille dans le ministère. Et est-ce qu'ils sont jeunes? Il n'est pas très très jeune, mais il dit non. Il va trop vieille, il va se sato. Vous comprenez? Même si tu es en plaidoyer, un ensemble d'organisations jeunes qui fait, pour te dire quel que soit le gouvernement qui a monté là, il faut que son jeune qui est très intéressé avec la question jeunesse, qui prend cause. Revendication jeune, vous comprenez, qui fait de yo cheval bataille, c'est son jeune comme ça que t'as devenu ministre. Et est-ce que Madame Octavius lui-même a un profil ça? Et il dit non, probablement. C'est bon, monde qui a fait une trentaine, c'est bon, qui a début quarantaine. Bon, jeune quand même. Mon mm-hmm. qui a 45, pour aller dans 50 ans, elle a parlé de nous-mêmes comme jeunes. Donc Madame n'a pas droit à jeune. On a fouillé les zones à Kalalo toujours pour nous connaître. Mais certains, pour jeune des gens là, attendez là pour partager ces informations avec nous. Sous madame et son cadre, ya. Oh ya, dernier clergé qui est en vous, on va sur les pour moi. Tout ça commerce, c'est des ministères secteurs pour bien voir, j'en voulais quitter aller. L'autre côté. Ok. Ok. Oui, c'est ça. On va aller chercher qu'on est toujours qui secteur véritablement qui endosse choix. Madame Octavius là, mais ça c'est certain, c'est un monde qui travaille en dans le ministère de la jeunesse, des sports et de l'action civique. Dernier ministère à gagner. Ministère à la condition féminine et aux droits de la femme. Monde qui ministre là, c'est Marie-Françoise Suzan. Déjà, hein, il y a une contestation autour de choix ça. Il y a plusieurs organisations ou bien dirigeant d'organisation femmes qui écrit, qui dit mieux va connaître madame ça dans ce secteur. Est-ce que c'est parce que vous avez des gens pas dans poste qui fait yo tout d'entrée je dis vous pas reconnaître lui? Alors pas prêt. Yo dit c'est rien. D'accord, merci. Yo dit c'est rien qui baille madame là. Qui baille madame Octavius et yo dit il pas si jeune pas ça. Il pas si grand monde pas ça mais il pas si jeune. Okay. Pas si ça. OK. Et puis pour Marie-Françoise Suzan, bon monde qui dit c'est bon hier soir on parle au chef, il dit c'est madame qui connaît qui elle proposer nous ça. Et veut. Il me doutait fort que c'est amené. Il me doutait fort que madame là Madame Zada Haïti, Marie-Françoise Suzan. Bon, si la m'y est rentrée, mais si elle est rentrée, même si elle n'est pas d'Haïti.
Ah, ok. Madame bon. Jusin. Oui. Je dis que c'est petit, ton pasteur. Pasteur Jusin. Pasteur. Quand même beaucoup, ouais. Beaucoup, ouais. Mm-hmm. Et je dis, madame, Nagel, si le pas pasteur, même c'est chance tout. On va chercher, on va chercher. Je vais chercher là. Ou plus grand passé, Nagel. Aïe, aïe, aïe. Pour qu'il y ait plus gros contact. Il était dans la chambre de député, en tout. Pour moi, il va me garder. Pour moi. Ok, on va regarder, on va regarder. Bon, ça passe, côté, votre document. N'attends nos guerriers, nous pas pressé parce qu'il faut nous dire la République qui est-ce qui choisit qui est. Et il y a plus de 3 personnes qui disent que c'est Rhin. C'est Rhin qui propose le ministre. Ah, ok. C'est Rhin. Ok. Bon, je me fais liaison, je dis que nous le pour Jimmy Albert c'est Rhin, Owen. Mm-hmm. Donc, si nous avons information, ça va bien, si nous faisons confiance, Rhin est lié à l'environnement avec le sport. Si nous faisons information, nous confiance. Ok. Ok, bon, moi, ok, on regarde ça là. Ok, avant d'arriver sur madame Suzan, ok, yo dit tout gagné un agronome silencieux Emmanuel. Ok, yo dit monsieur t'es une victime petite des Salines. Yo dit monsieur t'es sous table là tout. Monsieur c'est membre petite des Salines. J'étais sous table là comme ministre de l'agriculture. Eh ben, il vient avec passé. Mais est-ce qu'il vient avec pas choix petite des Salines et tout? Eh ben c'est ça, on pas connait. Bon, hein? Est-ce que c'est membre petite des Salines et tout, on pas connait. Bah, on est, mais jusqu'à preuve du contraire, ministère visite des Salines. Oui, c'est bien mieux même. À moins que moi ou bien petite des Salines d'aller mentir ça, Dieu va n'avoir comme ça. C'est bien mieux même non. Okay. Ok, madame Françoise, Marie-Françoise Suzan, je vais regarder rapidement. Ok, pas mal en bas plutôt. On va aller. Ok, il y a une licence en droit. Elle était. Ok, secrétaire général adjoint du Sénat République là. Mm-hmm. De octobre 2019 jusqu'à moment où on a parlé là, c'est ça qui écrit. Et il était membre cabinet, président du Sénat République là en janvier 2019, septembre 2019. Il était membre cabinet ministre éducation nationale, c'était mars 2017, décembre 2018. Il était consultant dans le cabinet ministre sport avec action civique mars 2016, mars 2017. Un conseiller premier ministre janvier 2015, mars 2016. Qu'est-ce qui était là? C'était hiver? Non. 2016? Ouais, Matéli toujours? Non, d'ici mars. Ah, c'était premier hiver. Ministre. Qui est-ce qui était là? C'était Evans Paul. Evans Paul était là toujours? Et Inex Jean-Charles, il veut quoi passer? Non, okay. Inex, c'est avec. Mars 2016 et hiver. Vous comprenez? Evans Paul t'a géré par eux, après ça, Inex Jean-Charles, il vient prendre. Oui, oui. Moi, janvier 2015 à mars 2000. Et puis il était membre cabinet ministre qui chargé relations avec le Parlement. Membre cabinet ministre chargé relations avec le Parlement, oui, oui. Conseiller technique dans le secrétariat général Sénat, donc son long parcours. Et, ok. Coordonnatrice formation personnelle dans le Parlement. Comité gestion Parlement. Ok, adjointe administrative dans la bibliothèque et parlement. Donc, c'est le parcours que nous avons fait pour nous toutes. Et oui, oui, elle prend un peu de formation. Oh, on s'en même. Oui, ok. Ok, moi, elle est okay. Conseillère à la présidence dans la mission pour responsabilité sociale dans l'Église. MEBSH. C'est méthodiste, l'église à eux. Méthodiste. Okay. Il dit pasteur suisant, Radio Lumière. Oui. Radio Lumière c'est et papal. Et papal. Dame la petite fille. Oui, oui, oui. Ok. Ok. Oh, c'est ça. Antonio Suisant. J'ai mouru longtemps. Il était pasteur à l'église MEBSH. Pourquoi c'est méthodiste aussi? Je ne sais pas trop. C'est pas trop fort. Ok. Papa, tu as fait émission Rencontre matinale sur Radio Lumière, l'église baptiste. Voilà. Voilà. Eh bien, madame, okay. Suzanne, je ne sais pas si tu es en Haïti, mais dernière information, tu es là, non? Bref. En tout cas. Okay. Je dis, madame Kouni, Betty Do. Regardez, comment vous dites madame Kouni? Madame Kouni. Oh, bon, ouais. Betty Rousseau, okay. C'est ta amie madame là, c'est ta madame là qui va aller, okay. Mais c'est ça. C'est et ça, pour agronome ça. Silencieux guerrier, on parle là de agronome Emmanuel silencieux, il dit effectivement, il était sous table là au petit dessalé, il est tombé pour CV. Ça. Et ça vous dit? Papier.
On va papier. Bah on est galère, on parle pas avec l'autre solide. Ah bon, pas t'aller me garder moi. Vous voyez pas bien vous, on garde ça papier a dit. Et vous dit Damien tout, yo pas trop ouais. À gouverner bien. Bien. Comme regarder moi. Perdu. On regarde vous. C'est deux agro dans en course. Il y a un gain plus. Ça va venir monsieur a pas contre ou bien monsieur a pas compétence non. Alors, mais c'est que deux monde qui dans course ça. OK, bon moi je dis monsieur était dans il est passé dans direction département à l'agricole l'ouest. OK, coordonnateur fertilisant et puis actuel directeur production végétale dans le ministère de l'agriculture. OK, c'est une puis gros direction qui gagne dans le ministère. Voilà. On va dire pour moi. Papier tali tout bail ça. OK. Agora nós dizia bio fel. Oui, elle est ça. Ça là son proche. Ah, bah c'est ça. OK. Bon, oui, pas bien temps mais bon, on lance CV. On CV. On lance CV, pas bien temps. Bon, en tout cas, c'est politique. Oui, on dit pas une raison pour l'autre qui fait. Je dis effectivement madame Suzan, c'est Baptiste, l'était l'église Baptiste, c'est et à quand il va venir bolos etc. Bon mon gars d'accord mon yo mais c'est mon zaro qui chef là c'est mon zaro qui chef mais en gros c'est ça et n'a pas noté Edgar Le Bluff avec collectif 30 janvier jusqu'à présent pas ni bail ministre ni proposé ministre ni bail ministère ni proposé ministère. Ah bon, jusqu'à présent. Bon, à notre connaissance, on y a là, est-ce que Edgar avec collectif voilà. Claudier Vier, à préparer pour l'autre bagaille, nous allons est-ce que voilà. Il y a les gros directions générales tout, qui vont discuter, nous allons mais nous avons noté que jusqu'à présent, publiquement, nous n'avons pas au courant de qui ça, Edgar Leblanc fils, président conseil actuellement, ensemble avec l'équipe collectif Claudier Vier qui vient au PL, PHTK, et Liné Balthazar là, et puis Union de Clarence Renoir, il y a encore et colonel Himmler Rebu avec Gré et l'autre encore une collectif de Javier. N'a pas noté que il y a pas jeune dans gâteau. Est-ce que il pas veut prendre ou bien il estime il pas veut mais c'est ça au te veut il pas joindre. Il veut pas veut même vente au plein. Il pas grand goût même. Là, question on a posé hier. Est-ce que c'est ça au te veut il pas joindre faire colère avec gens ça eu? Ah OK, il était entendu va participer dans gouvernement. Et c'était vrai d'abord. Bon. C'est un bel point. On va parler de plus de détails. Mais on a fini pour nous dire que nous allons voir s'il y a un changement, mais ça c'est certain. Arrêté a été publié jeudi. Et si arrêté a publié avant midi, par étonnant une installation en fait après-midi. Et dans le pire des cas, l'installation a fait demain si Dieu veut. Moyennant que arrêté a même publié dans le jour de ça quand même, mais dans la nuit mardi quand même. Il y a des gens qui étaient dans les salles, nous certains, si vous n'avez pas rien ici, vous pouvez rentrer. Mais madame Dupuis-Dominique, si vous ne vous trompez pas, vous avez fait l'affaire au camp. Il dérange le studio, malgré votre affaire. Madame Dupuis-Dominique, information de rien, il a semblé rentrer depuis avant hier soir. Haïti. Donc si tout va passer bien, c'est mon au cap ministre, c'est au cap chef. Donc d'ici mercredi là, bien jeudi matin, le pays a dû lever avec un nouveau gouvernement. On y a là, Gary Koni te dit, dans le gouvernement, la priorité à ces jeunes, c'est les femmes. Moi, je cite tout le monde nous là, moi je dis qui est-ce que tout le monde, on a essayé de conclure. Est-ce qu'effectivement, la priorité est accordée aux jeunes et aux femmes? Mais on a noté, sous 18 ministères, 14 ministres, il y a 4 femmes. Je ne suis pas de mathématiques. Non, regardez ce pourcentage là pour moi, non, mes amis. Mes amis, nous ne sommes pas connus dans mathématiques. Regardez, est-ce que 30% respecté? Bref. Et combien de jeunes? Madame Dupuis sont jeunes. Jeunes encore bien. Je dis madame Sport pas trop jeune basé ça. Et est-ce que mon hasard jeune? Mon hasard. Là, il y a plus de 40 ans.